messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Limbelizer. Il y a un plaisir pour entrer la CAO pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne. Quelques grands points cap dominé actualité. États-Unis justice, 12 membres jury dans procès pénal historique contre Donald Trump a délibéré pour qu'on ait si oui ou non il a condamné ou bien acquitté ancien président républicain. Région Moyen-Orient, Israël continue opération Efraïklio dans ville Rafah malgré opposition États-Unis et plusieurs autres puissances occidentales. Et puis Haïti, docteur Gary Conille, un fonctionnaire international, a paré pour tourner nouveau premier ministre après un vote conseil présidentiel transition. Et puis Haïti toujours, funérailles Jude Montiste, haïtien ça qui mourit assassiné en bas gang armé ensemble avec un couple missionnaire américain. Avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment. Merci de ce que choisir l'autre fois encore VOA Creole pour informer et gros point d'actualité à Jodia. C'est pratiquement dernière ligne droite qui gagne dans le procès pénal contre ancien président républicain américain Donald Trump. Et Jodia, c'est délibération. Nous allons rejoindre Valérie Saint-Louis qui trouve dans New York. Valérie. En effet, Jacqueline, je dis à ça nous capable de dire, c'est que l'avenir Donald Trump n'a même 7 garçons et 5 femmes qui formaient eh ben, jury de 12 membres qui commençaient séance de libération aujourd'hui, mercredi 29 mai, dans le cadre, dans le contexte, jugement historique et criminel ça contre un ancien président américain. Je dis à nous sous place ça qui en face tribunal là côté que le jugement a déroulé et place ça a gagné plusieurs fanatiques, plusieurs curieux et fanatiques de Donald Trump et monde qui compte Donald Trump qui viennent rassembler sous place ça pour y attendre verdict là. Je pense que je dis à bon verdict. Délibération historique jury a commencé après plusieurs heures en discussion. Discussion prolongée, faut nous dire qui finit bien tard hier soir, hier mardi, côté que prosecutor Joshua Steinglast t'a accusé Donald Trump que l'il était intentionnellement trompé électeur, l'élite soi-disant fait complot pour enterrer, casser feuille, couvrir histoire ça qui t'a influencé l'élection présidentielle en 2016. Prosecutor Steinglast t'a suggéré que Donald Trump t'a fait ça avec volonté pour cacher paiement l'argent qu'il t'a fait, dans une façon pour ne pas quitter aucune trace, à aucun document. Avocat défense dans compte examination témoin principal là qui c'est Michael Cohen, il t'a visé pour écraser crédibilité. Maître Todd Blanche t'a traité ancien avocat et ancien ami Donald Trump là comme plus gros menteur qui gagne sous la jury pour acquitter client li bien vite. N'a pas rappelé que Donald Trump fait face à 34 accusations criminelles pour faux dossier business. Accusation ça yo gen comme punition jusqu'à 4 années en prison. Donald Trump démenti que li pa fait rien qui mal et il t'est plaidé non coupable. Faut que nous comprenne que plus gros accusation c'est remboursement l'argent ça qui t'est payé by Michael Cohen pour lui-même li a fait un paiement de 130 000 dollars by actrice film porno Stormy Daniels en échange pour fermer bouche pour pas parler sur une relation sexuelle avec ancien président Donald Trump qui était passé en 2006. Et c'est parti ça qui est plus important dans le jugement ça qui a déroulé dans le tribunal qui est derrière Donald là. Pendant plus de 4 semaines pendant la séance témoignage, le prosecutor a été relé 20 témoins. Et avocat défense ça, lui-même, il a été relé seulement 2 témoins. Parmi les témoins clés que la justice a été relé, nous jouons ancien avocat Trump, Michael Cohen, actrice film porno justement Stormy Daniels, publicateur journal tabloïd Zintriputaila David Pecker, avec avocat Kate Davidson qui était négocié contre l'argent pour acheter silence Stormy Daniels. Et puis tout nous joignent ancien modèle Playboy là, Karen McDougal. Bon côté par équipe avocat défense, puis gros témoin yo c'était avocat Robert Costello. Délibération jury en jugement criminel contre Donald Trump là, eh ben li pral continuer jodi a en dedans tribunal là et c'est ça qu'a fait là, dans une chambre qui réservée spécialement pour membres jury yo. Membres jury yo a communiqué à tribunal là à travers note que y a voyé par juge là, mais personne pas connaît sa membres jury yo a dit entre yo. C'est un vrai suspense en dedans tribunal là jodi a. Panel jury 12 membres yo gagne un gros travail devant yo. Yo pral décider si yo doit condamner ou soit acquitté Donald Trump pour quelque ou soit tous 34 crimes que yo accusé li yo. Si jury après plusieurs jours de délibération pas arrivé joindre un verdict unanime qui veut dire faut que tous les 12 membres yo d'accord sous même verdict là, et bien dans cas ça juge là capable déclarer annulation jugement. Et n'a pas rappelé que si yo ta joindre ancien président coupable, li ta prend 4 années prison. Dès dans ce tribunal là et nous sous place à côté que quelques fanatiques Donald Trump avec des curieux qui viennent garder puis ouais si jodi a pour tout bon vrai a bon verdict cap sorti dans juge. Jugement historique ça contre ancien président Donald Trump. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis depuis Manhattan, New York. Donc délibération a fait à New York, donc ça pile suspense sous question ça dans moment que 12 membres jury a yo même il a fait délibération et qu'on y a yo l'autre fait l'autre exigence encore pour y attendre quelques autres témoignages. Actualité qu'on a mené nous dans pays d'Haïti côté docteur et Gary Conille tournait
ou bien sous route pour le tourner nouveau premier ministre et dans pays d'Haïti après que conseil présidentiel transition fait vote là hier. Nous pral rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince qui pral camper pour nous personnage là. Gary Conny fait dans Port-au-Prince et le diplômé dans l'école médecine et pharmacie université l'état d'Haïtien. Il gagne une maîtrise en santé publique dans l'université Caroline du Nord dans Chapel Hill. Il parle couramment anglais, français et créole. Dr. Conny possède plus de 20 années d'expérience en développement international, principalement dans les Nations Unies et dans l'ONG internationale. En janvier 2023, il est nommé directeur régional UNICEF pour Amérique latine et Caraïbes. Avant ça, il était occupé divers postes importants, notamment en Jamaïque, Burundi et dans la Fédération internationale Société Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Dr. Conny, déjà premier ministre pays d'Haïti, dans octobre 2011 à mai 2012. Il était démissionné après deux accords te gagnés avec le président époque là, Michel Martelly, sous contrat reconstruction après tremblement de terre, avec une enquête parlementaire sur double nationalité politicien. Le principal défi pour Gary Conny, c'est de former un gouvernement capable de rétablir la sécurité dans Port-au-Prince, capitale haïtienne qui a subi un pile violence gang armée. Stabilité et sécurité, vie et bien, c'est priorité immédiate pour nouveau premier ministre et équipe. Conseil présidentiel transition désigné Gary Conny comme nouveau premier ministre. Dr. Conny élu avec 6 votes sur 7 membres qualifiés dans le conseil. Nomination ça vini dans un moment côté Haïti a cherché rétablir stabilité et reprendre contrôle diverses zones gang améo dominées notamment dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. Désignation Dr. Conny Anto vini après démission Premier ministre Ariel Henry dans mois mars qui s'est passé là. Dr. Ariel Henry t'a quitté Haïti pour aller chercher soutien international là pour une mission sécurité Kenya a gagné pour conduire. Il empêchait depuis lors pour entrer dans le pays d'Haïti. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. Faut dire que réaction pas de printemps pour être tombé sous après que conseil présidentiel transition nommé docteur Gary Conny comme nouveau premier ministre dans pays d'Haïti. Nous allons rejoindre Renan Toussaint qui lui-même déjà joint des réactions département ça pour ça compte sous question sous nomination docteur Gary Conny. Renan Toussaint c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Après conseil présidentiel transition fin fait choix docteur Gary Conny comme premier ministre transition, plusieurs leaders partis politiques et organisations sociopolitiques gagnent opinion différente par rapport à démarche ça. Nabdi et PM Gary Conny bienvenue, mais cependant, faut qu'il y ait une responsabilité directe dans la question pour combattre la sécurité, faut qu'il y ait de même tout pour combattre la gangoua, permettre que la réforme constitutionnelle la fête, travaille pour le conseil électoral la montée, afin que 7 février 2026 pour nous renouveler personnel politique. Transition, ça, l'idée véritable transition de rupture pour permettre pays à un rail développant. Et c'est dans le contexte, ça, on a fini pour nous dire, conseil là, encore une fois, nous acclamons pour harmonisation. On a dit, on continue dans la même lancée, mettez tout zigzag de côté pour avancer et pour permettre pays ça, pays de Salines, pays Toussaint Louverture, pays Chalmay Peral là, pour petit nous, demain si je veux, pour pas vivre, ça n'a pas vivre là. Sans être, nous pas capable encore. Docteur Conny, venez à l'heure. Saint-Jean Mateni, qui c'est coordonnateur parti politique, nous d'accord, replanifie Haïti, nous dra, avec Joseph Jean Rousselet, qui c'est porte-parole parti politique, innovation, dit ou pas attendre rien positif, dans mais Gary Conny. Gary Conny pas un meilleur choix, et nous connaît que 2011 à 2012, choix Michel Martelly était fait de lien pas pour tes résultats et je dis à nous pas attendre grand chose de Gary Conny. Gary Conny son monde qui te décrit déjà mais nous respectons comme intellectuel nous connaissons le est-ce que là comme nous mêmes en Haïti qui connaissons tout mais cependant nous pas croire Nations Unies qu'à au monde pour tes résultats nous pas croire Nations Unies qu'à au monde pour tes résultats ça va dépendre de la nature cependant nous faisons appel avec les acteurs de l'opposition. Nous faisons appel avec les organisations de l'opposition. Nous faisons appel avec la société civile. Monsieur, dame, Sylvain, mettez-nous ensemble
pays a fini, oui. Bon, question de faiblesse dans la question tout, oui. Ok, ok. Bon, question de faiblesse dans la question tout. Parce que je veux dire, c'est une déception. Lorsque nous c'est Gary Conil, et nous te prévoyons déjà, nous te décrions déjà. Robert Kembel, là, trafic de fliers de l'international de Kembel. C'est un dossier à suivre. Oui, tous pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc, nous avons toujours continué à chercher l'autre réaction par rapport à la nomination Dr. Gary Conil comme nouveau premier ministre dans le pays d'Haïti. Et d'après l'information qui vient de nous, Dr. Gary Conil n'est pas en Haïti. Donc, démarche à faire pour entrer dans le pays et poursuivre l'autre étape pour le capable de prendre tête gouvernement intérimaire là ou bien gouvernement transition. En Haïti toujours, c'était funérailles Jude Montis, haïtien ça qui était mouri assassiné en bas main gang armé ensemble avec un couple missionnaire américain. Yo reportage Sandra Lemaire. Plusieurs centaines de monde étaient présents dans une église dans Port-au-Prince mardi pour porter deuil pour Jude Montis, directeur mission chrétien, gang tiré et touillé ensemble avec un couple américain qui te travaille à lui. De l'eau t'a coulé dans le jeu là. Dans le moment, yo t'a assisté aux messes bonheur dans le matin. Madame Montis t'a crié tout. Et nous connaissons nos seigneurs qui ont beau pouvoir au nos ciel là. Et ça va prendre temps pour nous jouer la justice pour la paix. Service là te rend hommage tout à Davy et Natalie Lloyd, une couple mariée dans 21 ans qui était avec Montis. Le nègre exam était attaqué au jeudi soir pendant qu'il a quitté une activité pour jeunes gens dans l'église dans la zone. Montis était 47 ans. Il a quitté derrière madame ni deux petites qui ont l'âge 2 à 6 ans et puis un frère qui était présent nuit de côté, il était mort assassiné. Service l'a déroulé quelques jours seulement après trois mounio étaient morts dans une zone gang contrôlée dans la région Nord Port-au-Prince côté Montis tap travail comme directeur local Missions in Haiti, une organisation religieuse qui gagne base dans Oklahoma. C'est David et Alicia Lloyd, parents Davy Lloyd, qui établit organisation. Ça. Missions in Haiti dit ambassade américaine a travaillé pour joindre documents nécessaires pour transporter cadavre Lloyd par avion aux États-Unis. Il a ajouté que les voyait employé Lio à prendre refuge un côté qui pissu. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Nous sommes toujours dans le pays d'Haïti, côté que chaque dernier dimanche et mois de mai, tant qu'on a plusieurs autres pays, eh bien, c'est fête demain. C'était une occasion tout pour te faire une journée ramasser sang pendant un moment ça pour aider les gens qui ont besoin, surtout dans la période côté que nous vivons une insécurité sans pareil. Gentil Augustin Junior, à Vinac Détail. Yon journée dansan kapote l'espoir pour population nan mitan crise violence Haïti. Vu avec situation pays, nous toujours gagne deux modes, soit pour monde qui prend balle, soit pour monde qui va coucher ou bien pour monde qui prend cap font l'autre intervention, toujours gagne deux modes de sang. Comme nous gagne manque dans cabine nek nan diesel là, je dis à nous venir pour nous faire un collecte pour nous ramasser plus pochette pour nous servir population. Samedi 25 mai 2024 là, citoyens cap vivent dans Port-au-Prince, tal bail sang malgré gros inquiétude sécurité yo. Nan mitan groupe moun sa yo, genyen ki souliye important solidarité nan yon nan pi mauvais impasse pays a trouvel. Raison ki pou se vinn bail sang, c'est très simple. Je m'a payé rien pour bail sang et puis genyen ki bon moun ki nan nécessité tout. M'pense que ça cap plus ou moins aider yo par rapport avec besoin yo. Nancy Lenné, coordonnatrice Renaxan, t'a expliqué population an, qui processus poursuivre les l'hôpital yo mande sang pour malade yo. Si on moun gen besoin sang nan période ça après nous fin faire collecte là, li pral aller au niveau du CNTS qui c'est Centre National de Transfusion Sanguine à Turgeon, li pral aller avec réquisition médecin balien, li pral produit demande là et puis suivi a fait pour li au niveau du CNTS. Y a capable bali sans problème. Journée don sans ça fête chaque année en Haïti, la veille fête maman. Yon façon pour ka sauver la vie maman ak ti moun nan moment yo besoin sang. Cependant, année ça don sans extrêmement pi important à cause crise violence kap ravage Haïti ya. Côté gen plus moun ki vin besoin sang pour ka joine la vie sauve. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil ou souvé ou accueil ou suivi un programme dans langue créole haïtienne. Restez branché. Actualité a concernant
international là dans un petit moment. Merci d'être toujours branché VOA Créole. Nous parlons dans l'actualité concernant région Moyen-Orient côté l'armée israélienne. Eh ben, ils mené encore l'autre attaque dans la ville Rafah quelques temps après. Ils ont rendu militants Hamas responsables l'en mort 3 membres de l'armée. Jean-Robert Philippe lui-même l'a suivi pour nous de très près. Et Jean-Robert, et malgré ça, États-Unis dit, malgré position États-Unis, avec plusieurs autres pays, eh ben, et Israël paf campé opérationnel dans Rafah. Effectivement, j'en dis à Israël pas campé vraiment parce que tellement vrai, ils ont mené une attaque encore. Côté annoncé même, ils ont pris contrôle frontière et Rafah, ville Rafah qui est dans le sud et territoire Gaza et qui partage avec l'Égypte. Donc ils prennent contrôle de zone ça. Ils zone qui normalement ils disent qu'ils vont utiliser pour empêcher que les militants Hamasio réapprovisionnent eux dans armes. Donc ils disent déjà découvrent un paquet de cachettes. Côté que tunnel côté que militaire marche habité fait ça me passer mais il dit que opération menée il a pas violé ligne rouge que les États-Unis tracé que pas qu'à traverser. L'armée israélienne a annoncé qu'il perdit 3 soldats dans la ville Rafah, jeudi, dans ce qui semblait responsabilité militaire Hamas. Attaque ça arrivé quelques jours après soldats israéliens ont lancé une attaque dans un camp réfugié déplacé palestinien dans la ville Rafah, à côté de Touye, 45 personnes pour pitié et blessé environ 200 autres. La Maison Blanche décrit attaque ça comme une action qui déchire quel monde. La Maison Blanche pas prend aucune décision pour limiter la science militaire là-bas Israël ou bien changer politique États-Unis cap supporter droit Israël gain pour opérer dans territoire Gaza. Even the safe area that the enemy said Mohamed Abouassa a décrit ce qui passé dans camp réfugié dimanche déclaré même Rafah que ennemi a été déclaré offrir une sécurité, c'est pas vrai. Pas de sécurité. Tout le monde connaît c'est un camp pour monde qui déplacé. Quand ça yo c'est mati yo ye. Pour mon honnête, c'est une scène non pas capable de comprendre. Attaque en nuit là est très difficile. Président Joe Biden pas jamais suspend avec Israël contre l'idée pour lancer une attaque dans ville Rafah qui chargé avec monde. Mais la Maison Blanche souligne mardi 28 mai, li pa kwè attaque dimanche là traverser ligne rouge administration a tracé ou bien li mérité un changement dans politique administration. Been, I think, very strident. John Kirby, porte-parole Conseil de sécurité nationale États-Unis, déclaré, moi crois que nous très strict. Non, condamné la mort civile innocent. Moun ki mouri dimanche yo pa fè exception. Nou dwe comprendre sa k passé là. Gen yon enquête kap déroulé. Gouvernement israélien déjà déclaré c'est yon erreur tragique. Y a enquêté pour jeune responsable général habitué fèl. N'ap tann pour ça y a fait. Militaire israélien di yo louvri yon enquête. Major général Yifat Turner Yehus Shalmi parle pour dire naturellement dans une guerre avec une telle intensité avec magnitude incident difficile rivé quelques parmi incidents comme ça qui passé dimanche là dans Rafah très difficile autorité toujours à prévisé d'état incident et n'a pas tant de conclusion force sécurité israélienne ou regrette dommage li causé parmi civils pendant guerre. Mais groupe militant Hamas qui a commencé conflit à 7 octobre passé a pas perdu temps pour la responsabilité à sous dos administration américaine. Nous hold the military Osama Hamdan, porte-parole haut placé militant Hamas déclaré nous rend administration américaine avec tout président Joe Biden responsable pour massacre l'aide contre déplacé yo dans ville Rafah et pour tout notre crime occupant yo commettre dans territoire Gaza. États-Unis continue by force occupation support politique et militaire et puis continuer à bailler équipement militaire bombes avec ammunition pour tuer plusieurs douzaines si c'est pas plusieurs centaines de monde femmes avec civils chaque jour. Dans moment enquêté yo a cherché connait ça passé dans ville Rafah analyse tako Raphaël Cohen expert politique dans Rand Corporation déclaré administration Biden nan en bas en pile pression en zèle gauche parti démocrate là yon côté ensuite yo pa vle affecter électeurs centristes ak démocrates qui en faveur Israël. Jean-Bert Philippe VOA Creole Washington.
Merci Jean-Robert Philippe. Donc c'était une idée sous actualité dans la région Moyen-Orient côté eh bien, Israël continuer à mener opérationnel dans la ville Rafah. Quand on a retourné dans le pays d'Haïti et dans actualité à environ 15 anciens prisonniers qui étaient dans la prison civile Fort Liberté pour aller bénéficier d'un programme spécial, un programme réhabilitation à réinsertion IMED à exécuter avec un financement Union européenne. Nous sommes sous place et Jodelet Junior Saint-Ville qui gagne un reportage sur l'événement ça. Grâce à un projet d'intervention juridique et sociale, bon côté monde qui est en prison dans détention préventive prolongée, cap dirait dès l'année avec financement Union européenne, Institut mobile d'éducation démocratique qui gagne nos jouets li IMED accompagné plus passé 15 anciens prisonniers dans prison civile Fort Liberté qui joignent libération yo hier lundi 27 mai 2024 là. Yon façon pour yo capable rétablir et réintégrer yo dans société a. Chaque ancien prisonnier yo joine yon kit hygiène, 25 000 goud pour yon tourner la kayo et yon pral gen possibilité pour yon apprendre yon métier. Responsable IMEDLA, Madame Ketley Julien, te bay quelques précisions concernant projet a. En même temps, li dil pa regret projet sa a te atterri dans Fort Liberté. Nous pas regret parce que pendant un an, nous rive la gué 40 moun nan Port-au-Prince qui gen 5500 nan Fort Liberté. C'est une qui permet que nous remettre premier rapport là 390 soit liberté seulement nous télégraphe la gué 120 mois. Comme là nous ben jodi a c'est pour permettre rentrer la caillou commencer organiser. Deuxièmement le protocole n'a pas signé avec eux c'est pour apprendre le métier de concert suivi séance psychologique pas faire avec psychologue là bon psychologue qui là pour travailler avec eux. Troisième bagaille qu'a pral gagner pour leur apprendre métier à nous pas loger comme la baïe. N'a pral faire suivi avec yo gagner métier gagner carrelage gagner électricité gagner plomberie ça yo veut technique agricole l'école là n'a payé l'école là. C'était occasion pour commissaire gouvernement Fort Liberté à mettre Enose Firin te dit la presse moun sa yo qui joine libération yo là pas te commettre gros infraction puis fort na yo te arrêté pour voler téléphone. Et il te fait yo quelques recommandations. Suspendre avec mauvais sac. Nous imaginons que nous avons fait pour moins que 200 personnes, il pense que y a 500 personnes là-dedans. Ancien prisonnier yo pas te raté occasion ça pour te montrer satisfaction yo. Une prison par un qui nous. Et ma profite occasion ça pour moi remercier trois groupes. Organisation ça qui c'est Union européenne, Avocats sans frontières, IMED. Qui est de vous pour vous libération, je dis. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Jodelet Junior Saint-Ville, depuis Fort Liberté, pour VOA Créole. Et bien, on a quitté la province, nous avons la diaspora haïtienne, côté artiste chanteuse haïtienne Annie Alette, qui était dans la ville Orlando pendant le week-end. L'image est toute haïtienne pour mettre tête collée, pour faire tête collée, pour être capable de changer la situation dans le pays d'Haïti. Il y a un reportage, Yves Montpremier, depuis Orlando. Chanteuse vedette haïtienne Annie Alert qui t'a performé dans ville Orlando centre la Floride pendant le week-end a déclaré les sentiments bouleversés avec situation tête chargée qui établit dans le pays d'Haïti jeudi. Annie Alert qui t'a parlé avec VOA Créole dit tout l'heure était qu'on est là pour tout haïtien qui vive quel que soit côté en OTA montrer que pays d'Haïti c'est pays payo pendant que le saluer l'esprit qui est arrivé dans la construction canal irrigation rivière Massacre. Le arrivé pour nous commencer à montrer dans tout sens que nous campons avec le pays. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de venir aux États-Unis. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de Phil Biden pour nous. Mais ce n'est pas tout le monde qui a besoin de Phil Biden pour nous rentrer aux États-Unis. Il faut nous créer un espoir pour nous. Et c'est ça que nous avons fait pour nous. Nous avons construit le canal, nous avons fait le canal. Depuis l'autre canal qui a commencé là. Annie Alert, tu es allé plus loin pour dire. L'économie haïtienne n'a pas de seulement chita sous dos diaspora. Gouvernement doit créer moyens pour bailler citoyens liés aux sécurités, pour permettre haïtiens de rester dans le pays pour créer job. Parce que d'après lui, il n'est pas possible pour ceux qui sont dans le groupe criminel de continuer à courir des haïtiens dans le propre pays. Malheureusement, la sécurité et
dans un pays, ce n'est pas nous-mêmes les citoyens qui sommes responsables de ça. Nous pensons que le gouvernement supposé mettre tête en place pour les jeunes en solution avec bagaille ça. Parce que pas qu'à prendre haïtien, mais de prendre haïtien dehors la caillou. C'est la caillou nous lié, nous ne pouvons pas mettre nous dehors la caillou. Nous pensons que ça, c'est travail par le gouvernement. Nous-mêmes, pendant que nous cherchons à poser à l'équipe pour mettre manger dans le pays. Parce que un pays qui a plus manger, a moins de l'état juvénile. Sauf que ça, c'est travail par l'éducation, sur manger. Mais ils ont même, en tant que l'État, faut faire travail par eux, à plus dans notre sécurité. Pensez que longtemps, c'est parce que nous avons une sécurité qui fait mal dans Sahara, où on va sortir en dehors de l'Ivan pour le presse. L'économie pays n'a pas seulement sur la diaspora. Nous pensons que nous, oui, diaspora nous remet, nous comptons sur un pile, nous faisons un pile pour le pays. Mais nous-mêmes, en tant que haïtiens, citoyens, haïtiens qui vivent en Haïti, c'est pour nous besoin de sécurité pour nous vivre dans le pays. Si nous n'avons pas envie de partir, nous, haïtiens, pareil, nous n'avons pas pousser de nous la caille. Sous question pour qu'on ait. Est-ce qu'il paraît pour aider dans chercher solution pour résoudre la crise haïtienne? Non. Annie Alert qui parle comme ça. Collaboration c'est canal yo, collaboration c'est à l'école yo, parler avec timoun yo, timoun la ou yo. C'est ouais, est-ce qu'on capable inculquer on l'autre éducation dans tête pour faire comprendre que pays a c'est yo, pays a compte sur yo, parce que c'est pas Haïti qui est mauvais, c'est pas le pays en soi, c'est nous-mêmes en tant qu'haïtiens. Et nous pas qu'à haïtiens, tout a dit que c'est haïtien les siens, c'est pas vrai. Annie Alert a parlé comme ça dans Ville Orlando après elle t'ai fini participer dans un gros banquet pour marquer l'inauguration Radio Télétempo International dans Ville Orlando. Moi, c'est Yves, mon premier, VOA Creole, Ville Orlando, dans l'État de Floride. Après tout, toujours dans Floride, comité de revitalisation quartier Haïti dans Miami rencontre membres communauté haïtienne pour expliquer changement qui pourrait le faire dans quartier Jude de Onsré, t'es sous place. C'est dimanche qui s'est passé là, dans l'auditorium Little Haiti Cultural Center, que le comité qui a tête projet revitalisation Haïti dans Miami a rencontré la communauté pour expliquer gros changements qui sont listes pour affecter Haïtiens en ville. Après introduction, Pedro, cinq panélistes qui sont éducateurs, travailleurs sociaux, entrepreneurs avec activistes communautaires qui font partie de Little Haiti Revitalization Trust Project, ont expliqué changement qu'a venu et un débat très animé était en main. Après Chita Palea, Joanne Milor, qui est présidente du comité projet revitalisation pour Haïti dans Miami, t'a expliqué changement qu'a venu dans le micro VOA Creole. Nous avons recevé 31 millions de dollars parce que y a un gros développement qui a venu dans la zone. Là. Et so, ça, nous avons fait avec Trust, nous avons essayé de camper la culture haïtienne ici, nous avons essayé de. Aider petit business qui dans zone là n'a essayer aider moun qui habite dans zone là nous gain deux programmes que n'a by club youn c'est pour petit business n'a by 10000 dollars ou 20000 dollars pour aider yo avec petit business yo. Deuxième programme que nous gain c'est moun, avec moun qui gain kay dans TIT qui habite dans zone là que n'a by yo jusqu'à 50000 dollars pour yo capable ranger kay yo. Ça c'est deux programmes que nous gain déjà. Après troisième programme là, n'a travaillé sur les kounia et n'a essayé faire li dans deux ou trois mois. C'est pour first time home buyers, moun ki veut acheter kay dans zone là, parce que nous connaît prix kay là a monté et moun gen de fois pas gen moyen ou yo pas gen assez l'argent pour yo ta capable acheter un kay dans zone là. Donc ça c'est un programme n'a essayé commencer bientôt. Li important pour nous signaler que nous te prend réaction quelques participants qui habitaient dans Little Haiti, qui travaillent dans ville là et qui gen business dans Haïti. Gen yo qui d'accord avec projet a, gen qui pas d'accord. Ça qui attire attention moi là dans ces gens présentation projet a, par exemple, yo fait 100% anglais. Donc un projet comme ça pas qu'à fait pour pas et inclure créole là-dedans pour pas ta parler créole pour dire de quoi il en est en créole. Laisse ça n'a bon communauté au moins communauté t'a bien imbu, t'a plus bien comprendre projet a et il t'a pour et bon côté à mauvais côté. Moi même parce que là-bas nous une chance pour travailler avec monde qui pense même gens nous n'a pensé parce que nous pas jamais gain monde gouvernement ba nous rien. C'est avec l'argent, nous travaillons pour l'argent et puis nous faisons bail. Nous sentons que nous-mêmes, haïtiens, pour qu'ils puissent voir nous, pour faire pour changement qu'on a fait vraiment. Moi-même, comme professeur, qui travaille dans Little Haiti, je ne suis pas satisfait. Non, pas M. Jude Ronsré pour VOA Creole dans Little Haiti, Miami, État Floride. Merci, Jude Ronsré. Moi, c'est Jacques Lambélizère. Bonsoir et à demain.